Yo, what's up tout le monde, c'est Benji et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où ce que je fais un top 10 des plus grands fails et les plus grandes réussites sur Xbox que j'ai fait. Parce que dans le fond, tu te rends compte que quand tu joues, t'enregistres. Parce qu'à chaque fois qu'il se passe de quoi de cool, t'enregistres un fail, une réussite. Moi, j'enregistre tout le temps. Puis là, je me ramasse avec une banque d'enregistrements qui sert à rien parce que personne ne peut le voir, à part les personnes qui fouillent sur Xbox. Mais qui fait ça? Personne. Fait que c'est ça, je vous ai fait un top 10. Fait que premier fail, on a sur Grand Theft Auto. J'étais en multijoueur, puis les gens avec moi se sont juste pitchés en bas de notre véhicule. J'ai jamais su pourquoi. D'autres fails sur Grand Theft Auto, mon ami Jimmy, qui m'a jamais vu de sa vie. Ça, c'était vraiment drôle. Aussi, ensuite de ça, on a Jimmy qui s'est fait sauter pour aucune raison. Je vais vous le remontrer au ralenti. Oui, c'est beau, Jimmy, bravo. Ensuite, le fail numéro 9, c'est encore sur Grand Theft Auto. Je suivais un camion, je sais pas si c'est dans quel genre de mission. Puis là, le camion devant moi s'est tassé, puis s'est passé quelque chose de fantastique. Oui, j'ai rentré dans la personne, je vais vous le remonter au ralenti. Ce gars-là est clairement mort 8 fois. Ensuite, fail numéro 8, ça c'était sur Fortnite. En fait, j'ai plusieurs fails sur Fortnite, mais celui-là c'est un beau. J'attendais tout bonnement, puis là j'ai vu un gars arriver. Je me suis dit, c'est là que je vais faire sa fête. N'importe qui l'aurait tué normalement. Mais moi, je suis vraiment poche, donc ça me fait. Ensuite, on continue dans les fails de Fortnite. Il y a évidemment toutes les fois où j'étais sur une structure, puis il y a quelqu'un qui l'a pété, puis j'ai tombé. Même des fois, ça m'arrive que je suis sur la structure, puis il y a personne qui la pète. Je vais juste tomber par moi-même parce que je suis vraiment poche. Puis je meurs. Fail numéro 7. Celui-là, c'est un beau aussi. C'est sur Mark McMurray's Infinite Air. C'est pas mal ça. Le fail numéro 6, c'est sur MXGP 2. J'étais en voie de devenir premier. En fait, je suis allé premier dès le départ. Ce qui est quelque chose de vraiment bon dans le jeu normalement. Puis là, j'avais le momentum, la foule est en feu, tout le monde m'acclamait. Puis là, au deuxième détour, ben, j'ai foncé dans un bloc de béton. Fail numéro 5, c'est sur Grand Theft Auto, tout le monde me suivait. Puis c'est là qu'on s'est rendu compte que la police n'était pas les personnes les plus intelligentes de l'univers. Ceux qui sont censés nous dicter la loi. Hein. Fail numéro 4, sur Halo 5, j'en ai plusieurs sur Halo 5, celui-là c'est un beau. J'étais sûr de sniper quelqu'un, direct dans la tête, mais je me suis fait avoir avant. Aussi, jouer une partie avec mon ami Sam l'autre fois, puis on était en fin de partie, on allait perdre, puis là, ben ça c'est Sam en avant de moi, à droite que vous voyez. La partie a fini, on a perdu, puis lui s'est fait ramasser après le générique. Bravo ça. Terminé. Défaite. Fail numéro 2. Sur Fortnite, aussitôt que je suis atterri, j'étais sur la tour. Puis j'ai entendu quelqu'un en dessous de moi. Puis là, j'avais pas d'arme. Puis il y avait aucune arme en haut. Fait que je me suis dit, je vais y aller tranquillement. Puis là, ben, je savais pas quoi faire. Fait que j'ai sauté sur le gun. Puis le gars, il s'est dit, je me suicide. Mais quelle tristesse quand tu y penses. Les plus grands fails sont certainement en moto sur Grand Theft Auto. Celui-là, c'est pas le pire. J'étais avec un de mes amis dans le dernier braquage, puis c'est lui qui conduisait. Là, je pensais que j'avais survécu, mais finalement, non. Mais le pire, c'est que je suis vraiment pas mieux toute seule. Ça, c'est moi en moto. Puis là, je me suis dit que j'avais survécu, mais finalement, j'avais encore survécu, mais j'avais pas survécu. Ensuite, on va avec les réussites. Première réussite, c'est à Grand Theft Auto dans le fond. On jouait sur le mode Bambushka, puis j'ai tiré au hasard, puis j'ai pogné quelqu'un. C'est quoi les chances? Réussite numéro 9, c'est sur Fortnite.
C'est pas tant une réussite, mais c'est la première fois que j'ai pété la structure à quelqu'un puis la personne est tombée. C'est toujours un moment bien drôle. Réussite numéro 8, c'est sur skate 3, j'ai fait un triple cut sur un quarter pipe. C'est quelque chose d'assez facile, pas si dur, mais c'est que mon ami Emile l'a fait en une semaine, puis moi ça m'a pris 5 minutes. La réussite numéro 7, c'est sur NHL. Je voulais vraiment avoir le but, puis ça marchait pas. Fait que je suis vraiment allé chercher la rondelle par moi-même, et j'ai compté un but. Réussite numéro 6, c'est toutes les réussites que j'ai faites sur Forza Horizon. Apparemment, celle-là, j'ai dépassé en jumpant par-dessus le gars. C'était plutôt oublié. Toutes les fois que j'ai été vraiment chanceux de même. Celle-là, j'ai été vraiment plus que plus chanceux. À 400 mètres, tournez à gauche. C'est quoi les chances, hein? Tournez à gauche. La réussite numéro 5, c'est la première fois que j'ai réussi un double, deux fois de suite, en ligne sur Skate 3. Déjà, le faire juste là, en ligne, c'est assez rare qu'on voit ça. Moi, j'ai jamais vu personne d'autre que moi le faire. Puis là, ben, j'en ai fait un autre en plus, en bas. C'est quoi les chances, hein? La réussite numéro 4, c'est sur Fortnite. C'est la première fois de ma vie que j'utilisais des grenades. Je savais vraiment pas quoi faire avec, fait que je les pitchais un peu partout. Jusqu'à temps que j'aille tuer quelqu'un sans faire exprès. La réussite numéro 3, c'est la première fois que ma blonde m'a battu à UFC. C'est pas une réussite pour moi, mais pour elle, c'était une réussite en soi. La réussite numéro 2, c'est sur Battlefield, je me promenais tranquillement en motocross, puis il y a eu un gars, puis je l'ai tué avec le motocross. Évidemment, ma plus grande réussite, c'est à Skate 3, quand j'ai réussi le fameux quadruple cut 1980. Je suis le seul au monde à l'avoir fait, il y a une autre personne qui l'a fait, mais pas dans ce sens-là. Fait que c'est tout pour la vidéo top 10, j'espère que vous avez aimé ça. N'hésitez pas à écrire dans les commentaires si vous voulez que je fasse un autre sort de vidéo. Si vous avez aimé le top 10, n'hésitez pas à liker, à partager, à re-regarder. Oh, abonnez-vous! Oui! Abonne-toi, s'il te plaît! Abonne-toi!